Salut tout le monde, c'est Alex Chaud, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui sur le bonus de 100 000 dollars de la semaine en réalisant le contre-la-montre. Alors comme je vous ai dit, c'est un bonus de 100 000 dollars. Cette semaine, c'est le contre-la-montre de Vinnie Ball. Le temps qu'il faudra battre est de 2 minutes et 58 secondes, quasi 3 minutes. Et ceux qui s'y connaissent bien contre-la-montre, qui font souvent les contre-la-montre, savent que c'est quand même long pour un contre-la-montre. Habituellement, ça tourne vers les 1 minute 30, donc là, quasiment 3 minutes, c'est pas rien. Concernant le trajet, la course commence ici et se finit beaucoup, beaucoup plus au nord. Comme vous voyez le trajet, il n'est pas si court, il est quand même long. Alors bien évidemment, on ne va pas suivre le chemin de GPS, même si c'est possible avec un très bon véhicule. Je dis pas que c'est impossible, je l'ai fait, mais le problème avec ce trajet, c'est qu'à la fin, en fait, il y a énormément de zigzags. En plus, c'est une route de terre avec plusieurs bosses, donc galère, c'est vraiment à éviter. Donc ce que je vous conseille, c'est à ce moment-là d'emprunter le chemin de fer, rien de plus simple. En plus, ça va vous permettre d'avoir une très très bonne ligne droite. Et vers la fin, donc, rejoindre la route principale. De toute façon, vous allez le voir ça, enfin vous allez voir tout ça pendant le gameplay, vous en faites pas. Maintenant, parlons véhicule. Quel véhicule choisir? Alors déjà, je vous conseille dans un premier temps de le faire à moto, surtout avec le trajet qu'il faudra prendre. Comme moto, par exemple, vous avez la Shotaro qui est excellente, vous avez la Kuchu Drag également, la Manchester Scout qui est très très bonne et la Bati 801. Et bien évidemment, tout ça en custom, très important. En voiture, j'ai pas essayé, mais je pense que c'est quand même faisable. Vous pouvez prendre par exemple les Merus, la Paria, l'Italie GTO et l'Italie RSX. Ça, c'est ce que je vous conseille. Après, si par exemple vous voulez le réaliser avec notre véhicule, allez-y, faites-vous plaisir. Petit conseil que j'ai oublié de préciser à moto et qui est très très important, cabrer le plus souvent possible ou le joystick vers l'avant. Vraiment, vous allez gagner beaucoup de temps. Et autre petit conseil, si jamais vous faites un accident, restez appuyé sur la flèche qui permet de monter dans un véhicule pour pouvoir réapparaître directement à côté du départ sans devoir vous retaper le chemin du retour. Mais pour ça, il faut bel et bien être sur votre moto ou dans votre voiture. Donc voilà, j'espère que mes conseils vous aideront un maximum. Je vous souhaite bonne chance pour ce contre-la-montre et empocher les 100 000 dollars. Si la vidéo vous a plu, comme toujours, n'oubliez pas le like qui est très très important pour le référencement et à vous abonner en activant bien la cloche des notifications pour être tenu au courant de toutes les futures vidéos. Moi je vous laisse là-dessus et on se dit à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bon jeu à tous, prenez soin de vous, ciao.